Et c'est pareil, déjà à ce moment-là, ils savaient pas mal gazer tout ça, parce qu'en fait, ils ont des mecs entraînés, donc forcément, ils veulent effectivement marquer tout de suite qui est le chef. J'ai lu une interview d'un service de police qui avait une théorie qui est pas si bête que ça, qui expliquait que là, tous les dérapages qu'il y a eu, c'est possible quand même, parce que l'officier. Ouais, c'est ça, ils ont des mecs entraînés en face d'eux, contrairement à nous. Une manip de pompier, c'est pas comme une manip de gilet jaune, hein. C'est pas des retraités, hein. C'est des mecs généralement qui ont des missions physiques. On a l'habitude aussi de travailler avec les forces de l'ordre sur l'intervention. On parlait d'accident d'intimidation tout à l'heure, on a l'habitude de travailler avec eux et ça se passe très bien. C'est ce que leur disaient vos collègues. Avant, ils étaient bien, mais depuis qu'ils étaient. Depuis Castaner est arrivé, c'est là que ça a pris. On a toujours des problèmes, ça fait 40 ans. Vous avez dû en faire aussi. On est confronté, on va chez les gens qui sont en détresse. Qui habite au fin fond de la cuisée, qui est ici depuis 50 ans, 60 ans, et vous lui dites, vous venez, vous êtes pas bien, quand vous amenez à l'hôpital, vous n'êtes pas super bien. Moi je vais l'accuser, mais ça peut être ailleurs. Je peux comprendre que certains sont énervés quand ça s'est dit. Il faut le feu dans les poubelles pour attirer les pompiers. En campagne, vous allez un petit peu en campagne quand même. En campagne, vous connaissez la campagne pour ça. Le gros souci, c'était les mecs qui avaient fait un accident bourré.
Alors, ils ont servi quelque chose. Les mecs, ils sont inservables, ils sont entre deux mains, tu les sors de la bagnole. C'est ceux qui c'est ceux qui deviennent violents. Et après, vous parliez des tresses sociales aussi, c'est des personnes qui sont de plus en plus, de toute façon. Même dans l'ambulance, dans les ambulances, les gendarmes qui restent à leur contact, c'est tout, mais c'est embêtant, parce que l'État s'est complètement retiré de partout. Nous, franchement, on essaie de voir les sapeurs-pompiers volontaires sur l'ensemble des communes. Enfin, il y a 36 secondes de secours sur le département. On essaie de mobiliser en fait, les gens, les citoyens, pour qu'ils puissent faire un engagement, mais aussi être plus Franchement, quand on voit les appels qu'on a maintenant, d'en avoir quelqu'un, elle n'a pas spécialement envie d'aller à l'hôpital, mais bon, voilà, elle voit du monde, elle discute. Okay.